YouTube, SSM Pitié dans les bacs, j'espère que ça roule les mecs, tranquille. Les gars, il faut que vous soyez avec une personne qui soit avec vous, pour vous. Je sais que t'es dans une société où c'est qu'on te dit que toi seul ne suffit pas, que t'es pas assez bien, qu'il faut que t'aies beaucoup de biens extérieurs pour que une femme te montre de l'intérêt, te donne une réciprocité à une attraction que tu peux avoir. Un abonné me pose une question et me dit, mais c'est une femme me demande de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit de quoi? Elle te demande de l'argent de quoi? Pourquoi faire? Elle mérite cet argent? Cet argent, tu l'as eu où? Tu l'as gagné ou tu l'as. Ton argent, tu t'es battu pour l'avoir. Si une femme vous demande de l'argent, finissez la relation. C'est qu'elle n'a aucun respect pour toi. Et si elle n'a pas de respect pour toi, elle ne t'aimera jamais. Être riche, beau, attractif, grand, fort. Ça va t'amener de l'attention des demoiselles. Mais au moment où c'est qu'une femme te parle, si tu montres des qualités comme quoi t'es un chieur, ouais, t'es pas un leader, elle va t'utiliser simplement pour ce que tu peux faire pour elle. Même certaines nanas, si tu termines pas la relation avec elle, si tu tolères tous ces manques de respect, parce que si elle te prend le, tu vois, ta main, elle va vouloir te prendre le bras. Et lorsqu'elle sent qu'elle peut te prendre le bras, ça va être comme un anaconda. C'est un anaconda qui va te dévorer tout cru parce que t'es un gros bolos. Et tu vas être là, lessivé. Tu vas lâcher une partie de ton énergie. Tu veux qu'elle soit avec toi pour toi? Pourquoi tu payerais? Je dis un truc, frère. J'avais fait une vidéo sur la première chaîne. J'ai remis sur Patreon. C'est pourquoi je suis contre le fait de faire des dates au premier rendez-vous. Ouais. La méthode extrême. Je sais que c'est extrême, là. Mais moi, mon optique, ça a toujours été. Elle rentre dans mon programme ou pas? On le fait ou on le fait pas? Pourquoi je ferais des dates alors que, quand j'étais plus jeune, j'arrivais, j'avais rien à perdre. J'approchais, boum! Et j'avais pas un rond. Oublie cette histoire d'argent. Oublie. Mets de côté les sous. D'accord? D'accord? Ok. T'inquiète pas. Des nanas, il y en a partout. J'avais pas un rond. J'y allais, j'étais en mode. Rien à perdre. Ouais. Et ça fonctionnait. Le moment T aussi que j'ai commencé à regarder certains. Créateur de contenu, oh, fait des dates, fait ci, fait ça. Je dis, bon, vas-y, je vais voir, je vais maximiser mes chances et tout. J'arrivais, je commence à faire des dates. 2 jours après, la nana, plus aucune nouvelle. Une autre nana, pareil, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre. J'ai laissé des sous que j'aurais pu prendre et investir en moi-même. Moi, ce que je veux faire, c'est que t'investis en toi. Pas que t'investis dans un espoir. Tu sais qu'elle va possiblement t'aimer, que tu vas faire des bébés, que tu vas vivre heureux, nanani, nanana, non. Pourquoi Abdul B de Fer, Kevin Chico éclaté, Jason de prison, Dylan excitant, c'est le mec le plus attractif. Ils ont pas un rond. Pourquoi eux, le premier soir, ils ont ce qu'ils veulent? Pourquoi SSM Pitié, il a toujours eu le premier soir ce qu'il voulait? Et pourquoi toi, tu devrais essayer de chercher à prouver? Je te garantis un truc maintenant. Il y a combien de nanas sur Terre? Des milliards. Toutes ces nanas, elles courent après la validation d'un mec. C'est-à-dire un mec, elle est pas sûre s'il aime ou il aime pas, tout ça, tout ce que tu veux. Ok? Elles courent tous après un mec. Et elles sont prêtes à tout faire. Elles sont pas là à patienter. Je vais faire la règle des 90 jours. On peut voir si il veut, on peut pas. Elles sont pas en train de patienter. Et oui, elles sont en train de patienter pour qu'il lui envoie le. Avec son bid d'Heineken dans un carton. TFK! Et elle saute en l'air et elle est prête pour son date chez elle à 23h42. Et il se ramène avec un fond de bouteille de vodka Eco Plus. Et il apprécie sa compagnie et il passe un bon moment. Parce que lui, il n'est pas là à dire, est-ce qu'il y a des drapeaux rouges? Est-ce qu'elle est faite pour une relation? Est-ce que si? Il faut que je fasse un date, deux dates, il faut que je prouve. Tu as prouvé quoi? En donnant de l'argent. En tolérant même qu'une nana te demande de l'argent. Après les gars, si une femme sur une longue période de temps, elle vous a prouvé que elle mérite que tu investisses des sous en elle, si elle est disponible pour toi, si elle fait des choses pour toi, tu peux donner une réciprocité. Mais pourquoi toi t'investirais tout au premier rendez-vous? C'est pour montrer de la dominance. La dominance, elle est psychologique, elle n'est pas par ton porte-monnaie. Parce que le jour où c'est que ton porte-monnaie disparaît, elle va disparaître, elle va partir avec un mec qui, comme d'habitude, lui n'a rien fait. Il a juste montré ses intentions, il a juste montré son intérêt pour elle. Ne tolère jamais qu'on te prenne pour un bolos, être inférieur, homme carte bleue. Parce que t'as plusieurs types de bolos.
Et les bolosses, ils ont des conceptions, une conception d'eux-mêmes aussi qui pensent qu'ils sont pas assez bien. Tu penses que t'es pas assez bien en fait. Tu penses que tu dois toujours avoir des artifices, des. Ou même être extrêmement gentil. Non. Premier type de bolosse, bolosse orbiteur. C'est le mec qui tourne autour d'une nana, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Il a un pèlerinage autour de la nana, tu sais. Il tourne, il tourne, il tourne. Donner de l'attention, tiens, je t'envoie un message, j'envoie un message, il me vaudra, il me voudra. J'ai vu sur Instagram un abonné, grosse dédicace à lui, m'avait envoyé une capture d'écran d'un gars qui, pendant, je crois, c'était quoi, pendant 300 jours, tous les jours, il envoyait un message. Coucou princesse, j'espère que tu vas bien. Et là, on en a regardé, voyez, voyez, voyez. Et à la fin, il est avec elle. Ouais. Oui, il est avec elle. Oh, mais finalement, il a eu. Ouais. Le mec, il a pris ses. Là, ce qu'il y a là, en dessous, il lui a donné un paquet cadeau pendant qu'elle. C'est elle qui a envoyé ce type de message-là au mec qui était indisponible, au mec qui était, s'il faut, plus attractif qu'elle ou plus excitant. Et lorsqu'elle a vu que ces options-là s'évaporaient, là, elle s'est mise. Entretenir le boulot, mais tu penses que c'est une relation par rapport au respect, non? Tu crois qu'elle le respecte, tu crois qu'elle le voit de haut? Non, elle le voit simplement que comme une roue de secours, comme un extincteur au cas où s'il y a le feu. Donc les mecs, si une nana te demande de l'argent, ne lui donne pas ça. Sais même pas pourquoi je fais la vérité, les gars. Pourquoi je fais cette vidéo? Ça coule de source. Ça demande du bon sens. Moi, les mecs, je vous dis, il y a trois principes qu'il faut que vous gardiez. Trois. 13. Three. Le bon sens, la logique et le réalisme. Bon sens. On me demande de l'argent, pourquoi? Attends. Pourquoi je lui donnerais des sous? Alors, pose-toi la question, pourquoi tu donnerais des sous? Ah, mais parce que on m'a dit, sans l'argent, tu as non, tu as. Non. Ce qui attire les femmes, c'est la confiance. Ce qui nous attire, nous, les hommes, vis-à-vis des femmes, c'est quoi? La loyauté. Les femmes ne donnent pas autant de valeur à la loyauté que nous, les hommes, on donne de la valeur à la loyauté. De la logique. Je vais être avec une personne qui est heureuse d'être dans ma présence. Pourquoi je devrais me plier en quatre pour chercher à lui plaire? Est-ce que j'ai quelque chose à lui prouver? S'il faut, t'as quelque chose à prouver à quelqu'un, gros. Ah, on va rentrer en détail là. S'il faut, t'as quelque chose à prouver à ta maman, dans le fond, non? Non? Bon sens, logique et réalisme. Tu veux vivre dans la réalité, tu veux pas vivre dans le monde des clips de R&B. I love you baby. Je vais jouer du violon en bas de chez elle avec un billet de 10 et là elle m'aimera. Tu fais quoi? Tu fais une offrande à une divinité? La vérité les mecs, tu fais une offrande à une divinité? Même ton café, est-ce qu'elle le mérite lorsque tu as un premier rendez-vous? Ouais, mais quand même, si. Non. Ça qu'on paye sa part, en vérité, tant que j'ai pas eu ce que je voulais, tant que j'ai pas eu ce que je veux, rien. Ouais. J'avoue, c'est extrême. Après, si vraiment elle t'a prouvé qu'elle a un haut niveau d'attraction, qu'elle est là, elle faisait que de texter, tu peux lui payer un verre, y a rien de mal. Si c'est ça qui te dit, moi personnellement, je suis pas raclo. Jamais de ma vie. Mais je vais pas payer pour ce que d'autres ont eu dans le passé. En ce moment, on sait qu'elle a un rendez-vous là, elle attend le fameux message de Abdul Bedefer qui mesure 2,25 m, qui est champion régional de catégorie B de kickbox de boxe thaï. Et que quelqu'un d'autre va avoir, parce qu'après ton rendez-vous, il sera aussi. Ouais, il est toujours là. Abdul Bedefer, il est dans tous les téléphones. Tout est là-bas. D'accord, donc les mecs, ça coule de source. Ne donnez jamais de l'argent. Si une nana te demande de l'argent, c'est qu'elle n'est pas intéressée par toi. Elle te voit comme un bolos. T'as montré trop de faiblesse. S'il faut, c'est la première vue qu'elle a eue de toi. La première vue qu'elle a eue de toi. C'était un mec qui n'était pas confiant. Un homme confiant, c'est un homme qui. Tu transpires la testostérone. Tu transpires le pourvoyeur, le protecteur. C'est pas un rôle. Tu devrais être naturel, surtout. Mais t'as perdu ton naturel. Tu essaies de le couvrir avec. Et de l'argent. Restez connectés les mecs. Abonnez-vous. Partagez cette putain de vidéo les gars. Likez. Ce fut un plaisir les mecs. Et c'est sans pitié.